Je suis dans le stand de la Yamaha du Yacht numéro 7. Je suis avec Christian Giglio, responsable du montage des moteurs. Alors, des motos aussi. Grosse chute de Marvin Frintz. Et là, j'ai vu le rideau est tombé sur le stand de la numéro 7. D'abord, des nouvelles de Marvin Frintz. Tout va bien pour lui, aucun souci. Il a juste perdu l'avant donc, dans l'op. Hein. Et voilà. Mais lui, ça va. La moto, par contre, non. Donc on l'a réparé après la chute, elle a fait 12 tonneaux. On a tout réparé, par contre quand on a remonté la boîte à air, on s'est aperçu que ça rentrait un peu mal et le châssis est tordu. C'est pour ça qu'on a arrêté. Il y a un pilote qui est reparti, qui a essayé de faire quelques tours, et qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est Max, il a senti des vibrations, la moto qui tournait mal, et on a regardé le châssis est tordu, donc suite à la chute. Il a une explication pour la chute, juste un pneu avant? Il a perdu l'avant, c'est un pilote, j'en sais pas. Il peut nous dire j'attaquais pas, j'en sais rien. Donc ça, on verra sur la télémétrie. Ça. Ouais. Ok, merci Christian. Il n'y a pas de problème par rapport à la chute.